Bonjour à tous, donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce joli petit point. Alors je sais pas si vous voyez bien, là maintenant par exemple ça forme un petit rond. Vous avez aussi le petit rond là, le petit rond là. En fait c'est très joli sur un pull par exemple, ou alors en motif filet pour un sac, mais bon on peut pas mettre grand chose dedans vu qu'il y a beaucoup de trous. Après pour une écharpe c'est pas tellement évident de faire avec ça puisque ce serait vraiment une écharpe ajourée. Qui, comme dirait mon mari, ne servirait à rien. Donc voilà, je vais vous montrer comment on va faire ce point. Donc il vous faut un crochet adapté à la laine. Je prends quasiment toujours le même, comme je le dis toujours. Et je vais vous expliquer la suite. Donc pour commencer, vous devez faire un nœud coulant. Vous devez commencer par un nombre de mailles divisible par 9. Moi, je vais voir, je ne vais pas en faire beaucoup, je vais sûrement en faire 27. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Ensuite, donc vous pouvez continuer autant que vous voulez, hein, en fonction de la table de 9, comme dit. Et après, vous rajoutez donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, c'est toujours des motifs à répétition, donc c'est assez simple. Je mettrai le diagramme sur le groupe Facebook pour ceux qui le souhaitent. Donc maintenant, vous allez venir faire de nouveau 3 mailles en l'air. Et après, on va commencer par, disons, des brides en V. C'est-à-dire, on va venir faire 2 brides dans le même point, séparées par 3 mailles en l'air. Donc, je vais vous expliquer. Déjà, on commence, on compte. On a les 3 premières mailles en l'air qu'on ne touche pas. Celle du dessous, donc, qui suit la suivante, enfin qui suit les 3 mailles en l'air. On sépare d'une maille et on va dans la suivante. Donc dans la 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la sixième maille en l'air à partir du crochet. Et on va venir faire une bride. Ensuite, on va venir faire 3 mailles en l'air. Et on refait une bride dans la même, enfin dans le même point. Ensuite, on va venir refaire 3 mailles en l'air pour séparer. Et on va faire 2 brides commencées dans 2 points différents, mais finies ensemble. Donc là, on compte 2 mailles et on va dans la troisième, on commence une bride. Ensuite, on compte 2 mailles, on va dans la troisième. On commence une bride et après vous finissez le tout ensemble. Ça, c'est un V à l'envers. Après, on refait 3 mailles en l'air. On recompte une bride, 2 brides. Dans la troisième, on vient refaire une bride, 3 mailles en l'air. Et dans le même point, on refait une bride. Ensuite, on recommence avec le point en V, mais à l'envers. C'est-à-dire, on fait 3 mailles en l'air, toujours pour séparer les groupes. On compte une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Dans la troisième, on commence une bride. Ensuite, on compte une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Dans la troisième, on recommence une bride et on les finit ensemble. On refait 3 mailles en l'air. Et on recompte une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Dans la troisième, une bride. On refait 3 mailles en l'air. Après, c'est que de la répétition, comme dit. C'est assez facile. Donc, on recommence 3 mailles en l'air. Et de nouveau, on compte une maille en l'air, 2 mailles en l'air. On commence une bride dans la suivante. Une maille en l'air, 2 mailles en l'air. On
commence une bride dans la suivante, dans la troisième à chaque fois, et on les finit ensemble. On refait 3 mailles en l'air, et vers la fin, on va refaire un point V, donc toujours séparé de 2 mailles en l'air dans la troisième. On va venir faire le point V, disons, à l'endroit. Et là, il nous reste 2 mailles. Donc, dans la dernière, vous venez faire une bride. Vous commencez toujours par une bride, en fait. Finissez et commencez toujours par une bride. Donc là, on a bien nos V à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Maintenant, le deuxième rang. On va venir faire 3 mailles en l'air. Là, on a commencé par le V à l'endroit. On va venir faire une bride dans cette bride. On fait 2 mailles en l'air. Et on revient faire... Voilà, donc je disais donc... 2 mailles en l'air après la bride. On vient refaire une bride dans la deuxième bride. Après, on va venir faire 5 mailles en l'air. Et en fait, on ne va pas du tout travailler dans cela. On va revenir travailler dans le V du bon sens. Et on refait une bride, 2 mailles en l'air et une bride. On refait 5 mailles en l'air. Et de nouveau, dans le V, dans le bon sens, on va venir faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. On va faire dans le dernier pour moi, peut-être pas pour vous. 4, 5, et ça en fait tous les deux rangs, vous répétez toujours cette façon de faire. Sauf pour le début où ça va changer un tout petit peu. Voilà. Ensuite, on va venir faire une bride dans la bride. Donc moi, je la fais toujours autour quand c'est comme ça. Pas chercher la troisième maille puisque ça se suit. Donc on va tourner notre travail. Maintenant, on va revenir refaire 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, comme à chaque début de rang. Ensuite, ici, on va devoir faire le V à l'envers. Donc, on va refaire 2 mailles en l'air. On va venir commencer une bride ici. On va venir commencer une bride dans l'autre bride et on les finit ensemble. Voilà, tout simplement. Ça vous fait un petit motif ici. Comme si c'était une pointe là et un carré là. Et en fait, c'est que ça. Donc après, on va revenir refaire 3 mailles en l'air. Ici, on a fait le V à l'envers. Ben maintenant, on va refaire le V à l'endroit. Et on va venir piquer au milieu de la chaîne, dans une maille en l'air. On va faire une bride, 3 mailles en l'air, et à nouveau une bride. Donc là, le rond commence à se former pour le premier. On va venir refaire 3 mailles en l'air. Et on va refaire le V à l'envers, c'est-à-dire on commence une bride ici, hop, on commence une bride de l'autre côté et on les finit ensemble. Et là, normalement, vous avez donc votre premier cercle, disons, qui est fait. On va venir faire le deuxième et puis le suivant. On va continuer comme ça. Donc là, je vous remontre pour ce rang, c'est 3 mailles en l'air. On va venir, donc dans la maille du milieu, venir faire le V à l'endroit. 3 mailles en l'air, donc une bride. On refait une bride dans le même point. Voilà, ça nous fait notre petit V. On refait 3 mailles en l'air. Et là, on va venir le faire de nouveau, donc à l'envers. Donc on va venir faire notre petite pointe. Hop là, c'est fait, 3 mailles en l'air. On refait donc
dans la maille du milieu, un V à l'endroit, 3 mailles en l'air, donc une bride, 3 mailles en l'air, une deuxième bride dans le même point. On refait 3 mailles en l'air, on va finir celui-ci et je vous montre comment finir ce rang. Donc on commence une bride dans une bride, on commence la deuxième et on les finit ensemble. On refait 2 mailles en l'air et dans la bride autour, on vient faire la bride. Voilà, donc ça c'est le premier rang. Et maintenant, en fait, vous allez continuer toujours pareil. Donc là, vous allez venir faire 3 mailles en l'air. Vous allez tout de suite faire 5 mailles en l'air. 4, 5 pour au-dessus donc de ce V à l'envers. Et on va revenir faire, comme au rang numéro 2, une bride pour faire le petit carré qui vient ici, 2 mailles en l'air. Et une bride. Et en fait, vous allez toujours faire ces points-là. C'est-à-dire, une fois, vous avez les V à l'endroit, à l'envers. Une fois, vous avez le carré ici, les espaces de 5 mailles en l'air. Ici, vous avez le V à l'envers et le V à l'endroit. Et en fait, vous allez toujours alterner comme ça les motifs. Et en fait, ça va bien. Ça fait tout joli. Voilà, donc du coup, j'espère vous avoir aidé. Je vais mettre le diagramme disponible sur la page Facebook si jamais ça vous intéresse. Voilà, bonne journée, au revoir.